Bonjour, je suis Salman Larger, j'ai 44 ans. Je suis le patron des activités de Soprastaya en France, en particulier sur le conseil, l'intégration et l'infrastructure management. Et bah, écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Soprastaya, c'est une société créée par Pierre Pasquier, hein, toujours président du conseil d'administration en 68. C'est une société aujourd'hui qui a une empreinte très très forte en France. On est le troisième acteur en France dans les services numériques. On est ce qu'on appelle une ESN, une entreprise de services numériques. On est aujourd'hui 40 000 en groupe. On est présent dans 20 pays, hein, essentiellement en Europe et également en Inde. On a 5 000 personnes en Inde qui délivrent pour des contrats européens et en particulier français. Et puis, si je fais un zoom sur la France, on peut dire qu'en France, on est 18 000 personnes. Et bah, cette année, en 2016, on a embauché 2 500 personnes. Et je pense qu'on va à nouveau embaucher un peu plus de 2 500 personnes en 2017. Voilà. Deux mots peut-être sur mon parcours. Hein. Donc, moi, je suis rentré chez Soprastaria le 16 septembre 2002, hein, bientôt 15 ans maintenant. Et je m'en lasse pas, en fait. Hein, ça bouge énormément. J'ai exercé plusieurs métiers. Je suis rentré en tant que chef de projet. Donc, j'ai piloté des projets. Hein, voilà. J'ai également fait de la vente. Assez vite, j'ai basculé dans le commerce. Ce que je ne pensais pas forcément faire en rentrant chez Soprastaria, mais là aussi, la palette des métiers est très très vaste, donc c'est quand même très sympa. Ensuite, j'ai fait du management d'équipe, des management d'entités, hein, de PNL, d'agences, de divisions, et puis depuis 2 ans, donc j'ai la chance de manager les activités en France, de conseil d'intégration et d'infrastructure management. Donc un parcours qui vient du terrain, un parcours assez rapide, c'est sûr, mais en même temps très très riche, on va dire à la vitesse de la croissance et du positionnement du groupe en fait. Hein, voilà. On n'a pas de problème de charge de travail, on est alimenté par toute la vague digitale, on est au cœur, hein, de cette vague digitale qu'on délivre pour les plus grands clients du CAC 40. On recrute essentiellement des jeunes. La stratégie c'est ça, 90% de jeunes, et la promesse de Soprasteria c'est de vous former à l'état de l'art. Voilà. Sur les méthodes de travail, le co-design, l'agilité, les technologies, le big data, le digital, bien sûr, l'intelligence artificielle, on est sur ces sujets-là et pour les plus grands clients de la place. Donc, stratégie de recrutement 90% de jeunes, bac plus 5, issus des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, les universités, voilà. Des gens qui soient capables d'évoluer, de s'adapter. Et je recherche, au-delà du diplôme, surtout des personnalités. On est une société d'entrepreneurs. On a été fondé sur l'esprit d'entreprendre en 68, qui coule toujours dans nos veines. Chez nous, il n'y a pas de process. L'homme est supérieur au process. Je le dis parce que ce n'est pas le cas partout. Donc, prenez les initiatives. Faites-vous plaisir. Prenez des risques. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de revenir en arrière et repartir. C'est ça l'esprit d'entreprise de Soprastaria. C'est une boîte d'entrepreneurs. Moi-même, j'ai toujours rêvé de créer ma propre entreprise, mais j'ai jamais eu la bonne idée de le faire. Mais là, je m'y retrouve. Voilà. On a cet esprit-là. C'est vraiment l'esprit start-up dans un groupe vraiment industriel reconnu sur le marché. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'entreprendre, venez chez nous.